Vous sentez mal. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Non, merci, ça va aller. Je suis médecin. Nadji? C'est moi! Tu m'entends? Qui est Najib? Vous n'êtes pas archéologue? Non. Antiquaire non plus? Je suis écrivain. Mais nous étions en 4x4. Qui nous? Et Jalil, Najib, Kate et moi, et il y avait une autre voiture aussi. Où alliez-vous? Dans le Banshire. Pourquoi? Parce que... on voulait aller à l'hôpital. Quel hôpital? Notre hôpital, à Kaboul. Le mortier explose le toit, explose les fenêtres, les murs. Et vous avez 4 chirurgiens complètement ridicules qui essayent vainement de se protéger avec des couvertures, des cartons. Pourquoi t'es resté? Il n'y a plus de perfusion. Plus de sang de nasogastrique. Il y a des risques d'hémorragie. Pas une poche de sang. Non, maintenant tu restes là. Il n'y a qu'une seule autre personne qui puisse connaître cette histoire. Personnage du médecin de mon roman. Je suis vivant, très vivant. Bagram. Kate. Vous imaginez un personnage, il vit, il bouge, il existe, c'est fait. Qu'est-ce que vous attendez au juste de moi? Ah, mais c'est là où je voulais en venir. Pourquoi je me suis réveillé pile à ce moment-là? Non, nous admettons. Hein, pourquoi vous m'avez fait me réveiller à ce moment-là? Tu voulais dormir tout le bouquin. Mais non, Oui. Tu es ce que j'ai écrit. Non. Oui. Ben oui, oui et non. Oui et oui. Non. La preuve? Si on y pense, on est un peu tous mal écrits, non? On a tous... une petite fêlure quelque part, donc vis avec ta fêlure, toi aussi, et regarde, c'est bien cette fêlure qui te rendra plus humain, plus crédible. Sors de ma tête. Sors de ma tête. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous êtes là tous les jours, toutes les nuits, ici? La page est blanche, la page est blanche. Mais vous avez déjà peut-être gribouillé quelque chose dans votre tête? Sors de ma tête. Et moi, après l'explosion? Sors de ma tête. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez écrire pour nous?